Salut les amis, c'est Serac, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Coral et on a enfin passé les deux hystériques là. On se dirige toujours vers le lac au noir pour prendre un bateau. Le problème c'était... Ah, faut faire le tour par ici à tous les coups. Ah, ma femme a fait tout un foin quand elle a découvert que j'avais paumé les tickets pour aller sur l'île. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un peu que... Hop. Après t'en rachètes. Mais bon. Je peux comprendre qu'elle fasse un peu la tronche. Aquajet. Swablu. Hop. Ah, il est mignon le sprite. Franchement, le sprite de Tilton, il est trop mignon. J'ai fait juste un peu en dessous de la moitié. Oh, l'esquive! Tu te fous de moi? J'ai bien fait de mettre statistique en premier. Forcément, je vais commencer à tomber sur des Pokémon qui ont fake out. Hein. Vous voyez, moi je lance des attaques comme ça, moi je touche deux fois. Et eux ils touchent cinq fois. C'est ma luck habituelle, que voulez-vous. Pikachu, bah je reste. Hein. De toute façon, le seul Pokémon de ma team qui a Bulldoze, c'est Azumarill. Je vais pas envoyer Azumarill sur Pikachu. Putain. Ah, ça m'en fout. Arrête de taper tout le temps deux fois quand j'ai besoin de plus. Mais c'est pas vrai. Je dois avoir l'inverse de Skill Link, vous voyez, le talent multicoup. Je dois avoir l'inverse, moi. C'est-à-dire, dès qu'il y a une attaque avec plusieurs coups possibles, je mets toujours le nombre minimum de coups. Je suis un mouais. Si, à la limite, si j'avais Prankster sur Doudouvet, ça pourrait être intéressant. Parce qu'avoir charme avec priorité, ça par contre, ça peut être très fort. Miaos, ok. Lake Onua. Toi, je t'ai vu dans le trailer.
fois, je t'ai vu d'entrer. Alors, je m'excuse pour le bruit. Il y a des travaux. Il y a des travaux en ce moment dans la rue, juste en face de chez nous. Bon bah on va appeler le professeur. Hein. Mais... Faut peut-être que je sorte. J'appelle ma maman. Mais c'est débile! Ils disent d'appeler la personne que t'étais supposé rencontrer et c'est ta mère qu'il faut que t'appelles! Ah non, faut que je traverse. Mais je peux pas, il y a lui qui bloque. Ah, quoique, faut peut-être essayer de le couper. Ah non, il faut la Poképlute. La Poképlute. Est-ce qu'il faut parler à quelqu'un spécifiquement pour la Poképlute? Je présume que ça doit être ça. Bah si, si tu veux. Ça se trouve, on est vraiment supposé refaire le chemin à l'envers, mais... Non, c'est même pas possible, de toute manière. De toute façon, c'est même pas possible. Parce que depuis la ville où on était pour notre deuxième badge, on peut pas revenir en arrière. Donc ouais, il nous faut absolument la Poképlute. Ça se trouve, faut revenir au niveau du Ronflex. Geodude. Putain, on n'arrive même pas à les one-shot avec méga sensu, quoi. Ah si, quand même, je me disais. Non, c'est quand même dingue. Et Onyx. Hein. Alors, je pense que je le two-shot, donc je vois pas spécialement l'intérêt d'utiliser Vampirenne. Moi, voilà. Ah ouais, tu utilises Frénésie, toi, maintenant. Ah, fallait peut-être reparler au gars au port. Faudrait peut-être lui reparler. Ah ok. Je pensais qu'il fallait se taper tout le chemin.
Alors, on est toujours au lac Aulnois, du coup. Ah oui, bah c'est la ville dont on me parlait. Ah, vas-y, soyez mon équipe. Ah ouais, à ce point. Putain, vous commencez à me faire peur là. Ah d'accord, il y a le spécialiste des noms qui est ici. Oh bah merci. Merci madame. Eh ben on va le donner à Doudouvet. Peut-être qu'il tapera enfin un peu mieux. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment? Donc qu'est-ce que c'est cette maison? Ok, c'est une maison. Du charbon, c'est sympa aussi. Le mystique. Ah d'accord. En fait, vraiment, vous avez les trois objets dans cette ville. Eh ben, c'est pas mal en vrai. On va donner le charbon à Reptincelle, on va donner l'eau mystique à Azu. Puis ça me paraît pas mal. Une Hearthstone. Bon, on n'a pas de Pokémon qui pourrait s'en servir, mais... Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Tu déconnes. T'entraînes toujours ton Pokémon pathétique? Bah oui. Voilà. Ça se voit on est dans une ambiance hors argent. Hein. On a le rival qui t'insulte en permanence. Fake out, ouais. Si tu veux. Ah, moi je m'en fous, hein. Tu veux être désagréable, je vais être désagréable. Tu veux être désagréable, je vais être désagréable. Par contre, ouais, j'ai l'impression que dans ce jeu, les dresseurs n'utilisent pas d'objets en combat. Donc, jusqu'à maintenant, je crois pas en avoir utilisé. Donc, je vais tâcher de rester sur cette même règle. Oui, Aquajet, si tu veux. Tu te rends compte, gars, t'es littéralement en train de te faire démolir par mon Doudouvet.
à quel point tu veux avoir honte en fait, parce que littéralement Doudouvet il est tellement faible, il fait tellement pas de dégâts. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai, qu'il fait vraiment des dégâts mais minables. Cypher. Ah, ça, c'est un peu plus impressionnant. Comme quoi, Colby, il en a trouvé un aussi. Ça veut dire qu'il aura un Cisaiox plus tard. J'ai intérêt à bien entraîner Reptincelle. Hein. Ça plaisante pas. Hein. Il a que 3 Pokémon, mais tous ses Pokémon sont plus hauts que les miens. Hein. C'est vrai que son Crocodile était niveau 22. False Strike, pourquoi tu fais ça? En plus, tu crites, quoi. Pourquoi tu utilises False Swipe? Tu me diras, c'est aussi fort que Poursuite, hein. Entre ça et Poursuite, y a pas grand-chose de différence, si ce n'est que False Swipe peut pas mettre KO. Voilà. Ah bah si. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une blague. Je sais que je suis plus fort que toi. Bah non. Ouais. Ouais, on a le classique du rival qui dit « C'est pas de ma faute, moi je suis un génie, mes Pokémon c'est des merdes, donc je vais les torturer à l'entraînement alors que eux ils m'aiment. » Bon, en tout cas, c'est là qu'on va se quitter pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu ou partagez. Et abonnez-vous si notre contenu vous plaît et que ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour l'ascension du mont Onoa pour retourner chez nous. D'ici là, portez-vous bien et ciao les amis.